Et bonjour à tous, c'est Leaderwolf et cette semaine on se retrouve à nouveau pour une vidéo achat de jeux vidéo. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je tourne cette vidéo juste après la précédente. Donc la précédente vidéo achat de jeux vidéo. Pour la simple et bonne raison que maintenant je filme toutes mes vidéos achat de jeux vidéo du mois en même temps. Pourquoi? Parce que comme ça, les jeux que j'achète pendant ce mois, j'ai le temps de les essayer. Et le mois prochain, quand je vous ferai les vidéos, bah, j'aurai le temps de vous les présenter d'une meilleure façon, étant donné que je connais beaucoup mieux les jeux. Voilà, ça me semble beaucoup plus logique et aussi au niveau du temps, c'est une gestion qui m'arrange. Voilà. Du coup, bah, cette semaine, on a du lourd, vraiment du très très lourd et des très très bons jeux. J'ai un petit peu fait comme la semaine dernière, enfin, la précédente vidéo en tout cas, j'ai acheté vraiment que des bons jeux qui me plaisaient. Et voilà, il n'y a vraiment que des bons titres et je suis très content de mes achats. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, les achats, ils ont été faits dans un petit magasin indépendant qui vend des jeux principalement rétro en tout cas. C'est pas vraiment comme un Micromania, ils vont pas beaucoup de next-gen, mais en tout cas il y a pas mal de jeux rétro et ça fait plutôt plaisir puisque c'est vraiment à des prix très abordables. Et en plus de ça, bah, j'ai acheté quelque chose à un ami. En tout cas, c'est plutôt à quelqu'un de ma famille, enfin peu importe. Le plus important c'est que j'ai acheté ça et que vous allez voir, c'est vraiment une belle pièce pour ma collection en tout cas. Et je vous ferai peut-être un unboxing, voilà. À vous de réfléchir qu'est-ce que c'est. Je sais pas si la miniature va porter par rapport à ce que c'est, enfin, on verra bien. Du coup, on va commencer avec les achats dans le magasin indépendant. Donc, j'ai eu pour 15 euros d'achat, j'avais 10 euros offerts. Donc, le tout finalement m'est revenu à, si je fais bien le calcul, 21 euros. Voilà, donc 4 jeux pour 21 euros. On a un jeu Xbox et 3 jeux 360. Alors, on va commencer parce que je commence à parler un petit peu dans le vide. Le premier jeu, c'est Crackdown, donc le tout premier. Donc, je vous avais dit dans la précédente vidéo achat de jeux vidéo que j'avais décidé de m'acheter toute la série sur 360 et c'est chose faite avec le premier opus que je ne possédais pas. Voilà, donc je l'ai eu pour 5 euros seulement, ce qui est un bon prix. Bon, le jeu date, donc ça va peut-être être un bon retour en arrière, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va me plaire. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait puisque j'ai beaucoup de jeux à faire et j'ai aussi beaucoup de vidéos à tourner, hein. J'essaie vraiment de faire de nouveaux concepts pour la chaîne, etc. etc. Et du coup, bah, ce Crackdown, eh ben, il va dans ma collection et je le ferai dès que je le pourrai. Voilà. Ensuite, un excellent jeu également de Capcom, qui est certainement l'un des jeux que je cherchais le plus sur 360 et que je ne trouvais pas. Je l'avais vu un coup en vide-grenier à 10 euros, c'était beaucoup trop cher pour moi. Là, je l'ai retrouvé à 8 euros, mais je ne pouvais pas passer à côté. C'est Dead Rising, voilà. Donc, on joue Frank West, donc, qui est un paparazzi, un journaliste qui est dans un centre commercial infesté de zombies. Et voilà, le but, c'est de, bah, c'est de buter les zombies, tout ça. Et de survivre, on a 72 heures pour mener à bien notre mission à l'intérieur de ce centre commercial. Et ce qui est vachement bien avec ce jeu, c'est qu'en plus d'avoir un gameplay qui est vraiment super stable, on a en plus de ça un héros un peu mythique, puisqu'il c'est vraiment un jeu d'acteur, etc., etc. Et en plus, il y a beaucoup d'humour, puisqu'on peut se déguiser, on peut combiner des armes pour être beaucoup plus efficace, tout ça, tout ça. Il y a une gestion du temps, il y a une gestion des survivants, etc., etc. Donc c'est vraiment un superbe jeu, je vous le conseille. Voilà, ensuite j'ai acheté un jeu Xbox, c'est Hitman 2 Silent Assassin. Je les cherchais, les Hitman, hein, parce que j'en ai fait qu'un seul pour le moment. C'est Blood Money, si je ne me trompe pas. Et j'avais été un petit peu déçu. Alors peut-être que les premiers sont meilleurs, je ne sais pas. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai pas encore fait celui-là. Au final, je dis que ça me laisse du temps pour faire les jeux, mais finalement, je passe tellement de temps à faire que ce soit des vidéos ou aussi. Faire des articles par exemple et des vidéos pour le site spiritgamer.fr que ça me prend du temps. Du coup, placement de produit, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc ce Hitman 2, voilà, on tue des gens, on fait des contrats, tout ça, on joue l'agent 47 si je me trompe pas, et c'est voilà, un jeu Xbox qui est plutôt beau graphiquement selon moi. Et enfin, donc dans ce magasin, j'ai acheté Left 4 Dead 2. Voilà, alors, j'ai une petite question pour vous dans les commentaires. Est-ce que ce jeu est sorti en version française? Parce que déjà, on le trouve très très peu, ce Left 4 Dead 2. Je trouve pratiquement pas. Je ne le trouvais pratiquement pas. Et les seuls jeux que je voyais, c'était soit des versions UK ou soit des versions japonaises. Enfin, j'ai vu un jeu qui était à la fois américain et japonais, par exemple. Du coup, je sais pas du tout. Peut-être que ça a pas marché en France le premier, tout ça, et qu'ils ont pas vraiment sorti de version française. Je sais pas du tout. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir trouvé puisque c'est vraiment pas facile. Donc c'est un jeu coopératif, hein, donc de toute façon c'est Valve, hein, donc ils sont connus pour ça, que ce soit Counter-Strike pardon,
et puis Evolve dernièrement. Donc là, on est quatre survivants qui vont devoir traverser une map remplie de zombies. Du coup, il y a la coopération, il y a la survie, tout ça. Et c'est vachement bien foutu parce qu'il y a des hordes de zombies, tout ça. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, par exemple, le mode zombie de Call of Duty. Il y en a. Et ben franchement, si vous aimez ce mode, hein, il y en a même qui achètent juste Call of Duty juste pour ce mode, s'il faut se dire ça, et bien foncez sur Left 4 Dead parce que c'est vraiment excellent. Et même si le 2 est extrêmement dur à trouver, c'est également le cas du 1, et j'ai quand même réussi à le trouver, le premier Left 4 Dead, dans un cache, voilà, pour 9,90€, enfin 8,90€, excusez-moi. Donc ben, c'est le même concept, hein, c'est le même gameplay, c'est vous êtes des survivants, vous êtes sur une map, vous essayez de survivre, vous butez du zombie, voilà. C'est la même formule, et c'est une formule qui marche finalement. Voilà. Bon, le problème, c'est que c'est beaucoup plus agréable à jouer à plusieurs qu'en solo, puisque bah, à plusieurs, on a les réactions quand il y a des hordes de zombies, parce que c'est vraiment très impressionnant, les hordes de zombies dans ce jeu. C'est vraiment, ça peut tout chambouler. Hein. Moi, j'y ai joué personnellement. Je suis arrivé au bout d'une mission, tout d'un coup, il y a eu une horde, et ça m'a niqué juste avant la fin. Et voilà. Et franchement, entre potes, ça peut vraiment être kiffant. Avantage, il y a l'écran scindé, donc on peut jouer en coopération, en local, et ça, c'est vraiment super agréable. Voilà. Et du coup, on arrive déjà au dernier achat de la semaine, mais c'est vraiment un super achat. Ça m'a coûté 50 euros. 50 euros, mais ça valait vraiment le coup. Je vous l'ai dit que j'étais dans ma période jeu de combat, hein, en ce moment, que j'adore ça, j'adore ça. Et quoi de mieux pour jouer à un jeu de combat qu'un stick arcade? Eh oui. Eh ben là. Ah, j'espère que vous allez voir, c'est Mortal Kombat édition Ultimate avec le stick arcade. Donc c'est super lourd, voilà, je me mets comme ça. C'est super lourd, mais bon, c'est voilà, c'est super. Je suis vraiment super content. Je sais pas comment je pourrais vous le montrer là, parce que c'est un peu compliqué quand même. Enfin voilà, vous savez quoi? Oui, je vais vous faire un unboxing. Je pense que si j'ai le temps, je vous ferai un unboxing de ce collector, puisqu'il possède le stick arcade Mortal Kombat, qui est finalement l'un des meilleurs sur la PS3. Hein. C'est vraiment de la super bonne qualité. Donc ça m'a coûté 50 euros, c'est de l'occasion, mais il est vraiment en super état. Il y a juste la boîte qui est un tout petit peu abîmée, mais c'est pas le souci majeur. Mortal Kombat, bah, je vais vous résumer vite fait le jeu. Jeu de baston avec bah, les finishing, hein, qui sont des moyens de tuer votre ennemi de la façon la plus gore possible, et c'est vraiment des jeux qui sont super jouissifs, en tout cas les derniers qui sont vraiment de très très bonne qualité, depuis que ça a été repris par le studio Never Ruin, truc comme ça, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça. Ils ont également fait l'Injustice, qui sont de très bonne qualité. Voilà, du coup ben, c'est tout pour cette vidéo achat de jeux vidéo, hein. Déjà, hein, je parle un peu vite en ce moment, mais bon, je vais au concret, tout simplement. Je ne veux pas parler pour ne rien dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit like. C'est bon. J'aime pas vraiment demander de dire mettez un like. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu barbare, je trouve. Mais finalement, si, plus il y a de likes sur une vidéo, plus elle sera mise en avant et plus la chaîne sera connue. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment soutenir ma chaîne, moi je ne demande pas de dons, je ne demande pas d'argent, c'est pas mon genre. Mais si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, mettez un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, on parle dans les commentaires, hein. Mettez un commentaire, je réponds directement. Dites vos impressions, etc., etc. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une future vidéo. C'était Leader Wolf. Bye tout le monde.